Donc bonjour à tous, donc petite mise à jour par rapport à la nouvelle gamme de batterie Parkside Performance. Alors cet après-midi, dans mes recherches et tous mes contacts, vous voyez, je suis tombé sur. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de Brico Vidéo. Et donc c'est ce que je lui avais envoyé. Et donc je suis tombé sur encore une nouvelle chose, donc une nouvelle partie de la gamme. Donc on aura un nouveau chargeur ultra rapide, donc maximum 12 ampères, 250 watts, qui chargerait les batteries de 8 ampères-heure en 45 minutes. Et les batteries de 2 A en 35 minutes, 3 A 32 minutes, 4 A 35 minutes. Donc il serait ultra rapide, il serait Bluetooth aussi apparemment. Donc vous voyez, il doit avoir de la patate vu la taille qu'il doit faire. Voilà, après le Bluetooth, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Et bien sûr, le plat de résistance, on aurait une batterie 8 A. Donc j'ai réussi à vous trouver un visuel couleur. Donc on aurait une batterie Parkside Performance 4 A et une batterie Parkside Performance 8 A. Donc avec l'indicateur de surge placé comme sur les anciennes batteries Parkside Performance, sauf que maintenant on est sur du compatible X20 Voltium. Donc on aurait des cellules 21700, en espérant que ce soit du Samsung, parce que ce serait quand même un gros gain. Le prix, j'estime à les 4 A à 40 € et les 8 A à 80 €, mais ça se trouve ça sera plus. Alors en même temps, la 8 A, c'est peut-être même peut-être à 100 €, c'est peut-être pas déconnant non plus, hein. Sachant que si c'est des batteries Samsung, ça sera pas déconnant. Côté 4 A, si elles sont à plus de 40 €, je vois pas autant prendre des 4 A classiques parce que le rapport qualité-prix, sauf si c'est des cellules Samsung, sera, je suppose, le même. Parce que après, l'avantage là, ça sera un gain de compacité puisque les batteries de 8 A théoriquement seront juste un poil plus épaisses que les 4 A, mais sinon, en termes de dimension extérieure, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à doubler la capacité dans le même volume, juste un poil plus épaisse. Sur ce, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai pas le temps, mais quand j'aurai le temps, j'en ferai d'autres. J'ai encore plein de produits pour vous présenter, mais bon, le temps me manque. Sur ce, abonnez-vous, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, et puis commentez si vous avez des questions. Au revoir!